Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau sketch. Donc c'est le sketch numéro 15, donc du mois de mars. Donc je vais déjà vous le présenter. Donc voilà un petit aperçu donc du sketch numéro 15. Voilà, donc on va réaliser ensemble juste après. Donc bien sûr sur un autre thème. Donc on va le faire sur un thème de la mer. Donc avec ce bloc-là, donc de chez Action. Ensuite, là, cette carte-là est réalisée avec le bloc 15 par 15 de chez Minted. Donc, c'est la collection Graceful. Donc, bien sûr, là, vous avez le petit sentiment. Donc, j'ai mis le titre. Donc, gracieuse en anglais. Voilà, donc on va le réaliser vraiment sur des teintes de bleu. Parce que je sais que ce bloc-là, vous l'aimez beaucoup. Voilà, ça fait un petit peu penser aux vacances. Donc, vacances en Grèce, par exemple, parce qu'on retrouve vraiment des petites choses, vraiment, ben, genre rien que la couleur et les petits bâtiments, ben, ça fait vraiment penser à la Grèce. Ensuite, bah, du coup, le bloc Graceful, je l'avais reçu donc en partenariat avec la boutique Mamscrap. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo. Alors, il y a un petit moment où je vous montrais justement les magnifiques papiers. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer l'intérieur de ma carte. Youp. Alors, du coup, ça, c'est le devant, l'arrière et du coup, l'intérieur. Voilà, donc avec ces beaux papiers. Donc, dans les parmes, dans les roses. Blanc et un peu vert comme ça, vert d'eau. Donc on va faire ce tuto ensemble de ce sketch. Comme d'habitude, je vous remets ici le petit schéma que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs sur mon groupe Facebook. Donc tuto et partage by Créa Scrap Marie. Mais après voilà, ici en tout cas, je vous donne toutes les dimensions justement pour le réaliser. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas quand vous faites justement des petites créations à les partager donc sur mon groupe Facebook tuto et partage by Créa Scrap Marie. Alors c'est vrai que j'avais déjà réalisé un petit fichier où vraiment vous allez retrouver tous les sketchs justement de l'année dernière. Donc tout ça je vous mettrai en barre de description. Donc le mois de janvier, je vous montre, j'ai ressorti. Donc ça, c'était le sketch du mois de janvier. Voilà. Et ensuite, ben, le mois dernier, c'était donc celui du mois de février. Comme ceci. Voilà. Donc c'est vrai que ben, du coup, le sketch de l'année dernière, du mois dernier, pardon, je l'avais donc réalisé sur ce thème-là. Donc assorti à l'album Love. Donc je l'ai ressorti aussi. Je vais juste youp, le prendre. Voilà, donc c'était celui-ci. Donc si vous avez loupé sa présentation ainsi que le tuto, ben, je vous mettrai tout en barre de description. Mais c'est vrai que le mois dernier, vous avez beaucoup apprécié justement cet ensemble-là. Donc voilà un petit rappel. Et pareil, ben, pour les deux autres sketchs de ce début d'année. Voilà. Et donc ben, aujourd'hui, on va faire le sketch donc du mois de mars. J'espère qu'il vous plaît. Alors, vous verrez, il est vraiment pas difficile du tout. Et je pense que dans ce thème, justement, un petit peu vacances dans les bleus ciels, bah, je pense que ça peut être pas mal. Donc, bah, écoutez, on va commencer. Donc, déjà, pour la base de cartes, donc vous avez vu, d'habitude, c'est vrai que je fais plutôt des cartes dans ce sens-là. Mais là, je me suis dit, allez, une petite ouverture comme ça vers en haut, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, on va faire comme ça change un petit peu. Donc là, déjà, il vous faut un morceau de papier donc qui fait 21 cm sur 15,5. Donc voilà, 15,5. Je vais juste vérifier parce que du coup, ça me paraît bizarre. Mais est-ce que sur ma petite fiche, j'ai marqué 16,5? Mais je pense que c'est 15,5. Ouais, c'est 15,5 parce que du coup, ben voilà, on utilise les blocs 15 par 15. Donc là, c'est nickel. Voilà, donc 21 sur 15,5. Voilà, donc vous pliez en deux. Donc on aura notre ouverture vers en haut. Ensuite, sur cette partie-là, vous voyez ici, on a plusieurs superpositions de rectangles ici. Donc là, vous allez déjà prendre un rectangle qui fait donc 14,5 sur 9,5.
Donc je répète, 14,5 sur 9,5. Donc là, c'est normal que vous ayez justement un plus grand rebord que les autres fois. Vous voyez, sur la mienne, c'est pareil. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un autre rectangle, donc qui fait 14 cm sur 9. Ensuite, un autre qui fait 13,5 sur 8,5. Donc là, j'ai pris deux laits crus. Et un autre qui fait donc 8 cm. Ouais, c'est ça, attendez, je vérifie. Ouais, 8 cm sur 13. Voilà, 8 sur 13. Et donc, vous voyez, on va bien sûr coller tout ça l'un sur l'autre. Et donc, sur notre carte. Voilà, et on va donc obtenir ceci. Bon, alors là, du coup, c'est pas droit. Mais écoutez, on va déjà coller tout ça. Donc, dans l'ordre, donc de la plus grande, donc celle qui fait donc 14,5 sur 9,5, on va donc venir la coller bien centrée, comme ceci. Voilà, comme à chaque fois, j'ai toujours sorti mon organisateur. Et ma petite commode 4 tiroirs. D'ailleurs, les tutos seront dans la barre de description, comme d'habitude. Ensuite, un autre rectangle, donc celui qui fait 9 sur 14. Voilà, là, c'est vraiment tout simple. On superpose nos rectangles. Ensuite, celui-ci qui fait 8,5 sur 13,5. C'est vrai que le schéma tout à l'heure, je ne voulais pas tellement détailler, mais on verra ça ensemble tout à l'heure, encore une fois. Tac, ça et ça. Voilà. Bah déjà, ça me plaît plutôt bien. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis restée sur du blanc et de l'écru, donc bleu. Parce que du coup, dans le bloc, on retrouve justement du blanc, de l'écru. Donc voilà, je trouvais que ça allait plutôt bien. Ensuite, vous voyez ici, on a donc une bande ici rose. Donc celle-ci, elle fait donc, alors déjà le papier de base, il fait donc 13 cm sur 2 cm. Et ensuite, en papier déco, du coup, 12,5 sur 1,5 qu'on va venir coller comme ça. Voilà, qu'on ait notre petit rebord comme à chaque fois. Yop. Ça, c'est fait. Voilà. Donc là, je vais donc le coller ici. Alors, je vais regarder sur la mienne exactement. Vous voyez, il faut essayer de trouver, je crois, le centre. Je vais juste vérifier. Alors, par rapport à là, 3. Ouais. Alors, par rapport à mon papier bleu qui est ici avec les vagues, alors ici, en fait, il y a 3 cm. J'ai ma bande et après, il y a nouveau 3 cm. Donc là, vous essayez de centrer, en fait. Mais moi, une fois que mon rectangle là est posé, j'ai 3 cm de chaque côté. Donc, on va faire en sorte d'avoir la même chose. Parfait. Et ben voilà, parfait. On y est. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que c'est posé, on vérifie quand même toujours. C'est ça, des deux côtés, hein. Ouais, parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, on a le. Je me suis déjà trompée. Donc, écoutez. En début de vidéo, je vous dis, oh, il n'est vraiment pas compliqué, hein. Ah là là. Allez, on décolle. Youp. J'espère que vous n'avez pas encore trop mis de colle et que ça n'a pas trop adhéré. On va pouvoir justement rattraper la catastrophe. On a celui-ci, excusez-moi. Donc, il fait donc 10 cm sur 4,5. Vous voyez, d'abord. Ah là là. Ici. D'abord, il y a ce rectangle. Le rectangle violet. Ah là là, Marie.
Je raconte des bêtises. Donc 10 cm sur 4,5. Et donc ici, le papier déco, très joli d'ailleurs, qui fait donc 9,5 sur 4. Donc, on va coller. Vous inquiétez pas. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, ma colle, elle n'avait pas encore prise. Donc, on va pouvoir cacher, rattraper la bêtise. Donc, ça, c'est bon. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est déjà coller cette partie-là. Et donc, on vient le centrer. Ici. Voilà. Comme ceci. Et du coup, bah, en plus, on voit mes traces de colle. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, les traces de colle. On va tout de suite venir replacer notre bande qui est là. Je suis vraiment désolée pour la petite faute. Bon, on peut rattraper toujours dans le scrap. C'est ce qui est pratique. Voilà, en plus là, le papier chez moi, en tout cas, il n'est pas... Non, c'est bon. Voilà, on a rattrapé, vous voyez. Vite fait, bien fait, parfait. Alors, ensuite, il y a justement cette partie-là. Ici, il y avait de très belles images. Donc là, moi, j'ai pris un petit morceau de papier qui fait 4,5 sur 5,5. Et ensuite, je suis venue découper justement les jolies petites maisons comme ça. Donc, ce morceau de papier, il fait 4 cm sur 5. On va venir placer la petite image ici. Donc, après, en fonction de ce que vous avez dans vos blocs, ce sera très bien. Alors, on va déjà venir coller ceci. Tac. Là, pareil, moi, je vais venir prendre du scotch double face 3D. Vous voyez, il y a un petit peu d'épaisseur. Donc ça, on va faire. Et ensuite, vous venez justement centrer votre image sur votre carte. Alors. Tac. Donc là, moi, je mets deux petites bandes. Voilà, à l'arrière, j'enlève les petites pellicules de scotch double face. Je viens centrer tout ça. Ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, en bas, on a le petit sentiment. Voilà, moi j'avais mis, du coup, il y avait l'étiquette sur... Enfin, c'était vraiment le titre du bloc. Donc là, vous voyez l'image au centre qu'on vient de mettre, le sentiment. Et ensuite, ici, je vous ai mis deux points. Donc, c'est des découpes ou des dies. Donc moi, en fait, j'avais un die justement avec des branches. C'est vraiment des petites branches que j'ai mis ici. Mais du coup, là, pour le sketch, moi, j'ai choisi des petites découpes comme ça que j'avais en coquillage et en étoile de mer. Donc, moi, je vais faire comme ça. Alors, là, pareil, le petit sentiment. Alors, il fait donc celui-ci 6,5 sur 1,5. Et ensuite, je suis venue découper ça dans le bloc. Enjoy, enjoy, enjoy. Voilà, celui-ci qui fait 6 sur 1 cm. Après, voilà, en fonction de ce que vous avez en sentiment, un petit tamponnage. Et ensuite, on vient le placer juste en dessous. Donc moi, je me fie justement ici. Je m'aligne. Alors, vous avez celui-là, vous avez le bleu. Et moi, je viens m'aligner avec mon blanc qui est là. Comme ça, donc je vais sûrement le coller avec du scotch double face nouveau 3D. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, je vais juste prendre mon scotch double face 3D et je vais le couper en deux. Voilà, pour réduire un petit peu la largeur. Oups. Voilà, donc j'en ai mis à l'arrière, j'enlève. La petite pellicule. Et je viens donc, comme je vous disais, m'aligner
avec mon papier blanc que j'ai moi ici. Je crois qu'on est pas mal. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que c'est droit? Mon histoire. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Comme ceci. Ensuite, pour les petites découpes, là, c'est vraiment au choix. Vous mettez ce que vous avez. Donc, moi, j'ai ça. Voilà, que je vais positionner. Un en haut et un en bas. Ouais, pour agrémenter un petit peu. Alors, je vais aussi le coller en 3D. J'en profitais. J'avais une petite chute ici. De scotch double face 3D et je viens le placer ici et l'étoile de mer un peu plus bas voilà allez tac. Ceci. Allez, celle-là, je vais la mettre là. Comme ça. Alors. Voilà donc ce que ça donne, vous voyez, avec les petites découpes. Donc après, voilà, si vous êtes sur un thème un petit peu nature, un petit peu fleuri, voilà, les branchages comme ça, je trouve que ça va plutôt bien. Le feuillage comme ça. Youp. À l'intérieur, du coup, vous décorez comme vous voulez. Ici, on a un emplacement photo ou éventuellement pour marquer un petit message. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on est vraiment sur un thème voyage en Grèce. Donc après, bien sûr, l'intérieur, moi, je vais pas le faire. Voilà, je vous laisserai du coup décorer l'intérieur. Hein, c'est tout simple. Youp, en fonction de ce que vous avez envie, du coup, pour l'occasion aussi. Que vous avez envie. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je suis super contente d'avoir fait justement avec vous ce nouveau sketch. Donc, le sketch numéro 15, donc du mois de mars. Donc, dans la barre de description, vous allez retrouver bien sûr les autres sketchs. Donc, déjà de cette année 2024. Donc, je vous rappelle, hein, il y avait celui-ci et celui-ci. Et bien sûr, il y avait encore tout. Il y en avait encore 12, du coup, 12 autres de l'année dernière, hein, de l'année 2023. Donc, tout ça dans la barre de description. Le tuto, justement, pareil, de l'album Love. Pareil, vous le retrouverez donc sur une version plutôt steampunk. Hein, vraiment très sympa aussi. Là, c'était vraiment pour la Saint-Valentin que je vous avais fait des petites créations comme ça dans les teintes de rose. Et puis, écoutez, en attendant, je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas hein, donc à liker, à partager cette vidéo. Et puis, bien sûr, à partager vos créations donc sur mon groupe Facebook Tuto et Partage by Créascrap Marie. À très vite!